J'ai changé de peau. 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 Le jour où je suis tombé de haut, j'ai changé d'adresse, de compagne, de métier, pas de peau. J'ai changé de peau, je me suis dans celle d'un autre. C'est la vie, on change tout le temps de peau. Déesse, dieu, divinités entières et à demi, nymphes, muses, cyclopes, centaures, satyres, sirènes et toutes sortes de créatures douées de pouvoirs divins, vous êtes priés de vous présenter expressément au Mont Olympe le 16 juin 2021 pour une assemblée générale des divinités. Votre présence est obligatoire et ne souffrira d'aucun désistement. Célestement vôtre. La présidente, déesse du ciel et de la foudre. Voilà. Convocation exceptionnelle, réunion exceptionnelle. Nous ne pouvons plus ignorer les réclamations du monde humain ne cessent d'augmenter. Le bureau d'Hermès roule sur le courrier. Nous ne pouvons plus ignorer le problème. C'est la crise. On va devoir tout traiter. Oh non, vous aurez le temps de prendre des petits bains de nuages. Oh, ah, c'est bon. Évidemment que vous allez tout traiter.
rappeler. Ah. Vous vous rendez où? Au village de vacances ici? Non, mais... Quelqu'un remarque inutile à dire? Non? Hermès, c'est à vous. Je déclare l'Assemblée Générale des divinités réunies en session plénière ouverte. Aux églises fermées, aux êtres croisés, dans la peau de chagrin, vitalité, je crie ton nom. Au ciel bleu, sans nuages, aux arbres, aux fleurs, à la terre, à l'herbe, au cœur que tu remplis, vitalité, je crie ton nom. Bonjour! C'est qui, Stockard? Je suis le dieu du tri du classement très ordonné. Qu'est-ce qu'on va bien s'amuser? Silence! Écoutons notre confrère. C'est pas compliqué. J'ai trié tous les messages du monde humain. Grosso modo, il y a 4 catégories. Les entendables, les moyens tolérables, mais passent encore. Les très saoulants, et vraiment saoulants, qui méritent un cruel châtiment. Pour les crimes de météorites. Ouais, ouais. Qu'on les fout tous sur Pluton. Qu'on les tenu sur Pluton. Commençons par les entendants, roulant sous les demandes métamorphoses. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se plaindre de leur cour corporel? Moi, je me plains de la mienne, moi! Et ils ont les demandes. Au moins quand ils dorment, ils nous emmerdent pas. Silence. Suivant. J'en ai une assez gratinée. Cher dieu des cons, j'aimerais me transformer en con illustre, voire magistral, de ceux qui n'ont pas besoin de l'ouvrir pour être connus par les siens. C'est-à-dire l'humanité à 80%, avec de sérieuses références de conneries en tout genre, racistes, misogynes, mauvaise foi, etc. Votre dévoué serviteur, Patrick. Pas besoin de les transformer, ils sont tous déjà cons. Vivant. Voilà. Jamais des humains. Alors...
Ordre suivant. Présidente, vous avez reçu une demande vous-même. Ah oui. Chère divinité du ciel, je voudrais être métamorphosée en soleil pour faire des arcs-en-ciel ou des étincelles, réchauffer, illuminer. Salutations, sa mère Lipoubelle. Patricia. C'est un peu léger, ce ton. C'est très limite, hein. Demande refusée. L'Assemblée générale des divinités est réservée aux divinités. Allez, bouge de là, toi. On veut participer, hein. Vous et nous, même topo. On est tous dans le même bateau. Y'en a marre d'être des pions. On veut prendre des décisions. N'importe quoi. Quelle élimination. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez, amis? Non, on n'est pas vos amis, on est vos égaux. Qu'est-ce que vous avez de surprenant à dire? Non, on n'est pas pressé, on veut juste s'asseoir avec vous et participer à toutes les discussions. C'est ridicule. Toutes vos demandes seront traitées, n'en doutez pas. Ah si, permettez-nous d'en douter. Hein. Nous avons là toute une liste de doléances que vous n'avez même pas jugées recevables au départ. Enfin, j'ai tout trié. Elles sont pas pertinentes. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Doléances humaines à l'intention de ces messieurs dames, les divinités. Ouais. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. 1. Nous ne voulons plus de votre ciel à la beauté si terne. 2. Nous refusons de déprimer, sauf si c'est pour avoir un joyeux cafard. 3. Nous refusons de vivre sous le joug de vos lois, vos normes, la zarbie. 4. Nous ne supportons plus que vos silences soient un de brouhaha. 5. Nous exigeons une lune moins chaude et un soleil plus froid. 6. Nous exigeons... Me taper sur le diadème. Mais madame... On dit président. Eh bien, nous avons entendu. Nous vous avons compris. Rendez-vous demain à l'aube. Nous étudierons vos propositions. Hermès, c'est à vous. La séance est levée. Nouvelle rencontre de chaque jour. À la bonne journée qui commence. À l'odeur du gâteau dans le four. Vitalité, je crie tout le monde. À toi, santé. Au bon jour à venir et à espérer. À la merveille du hasard. Vitalité, je crie pour moi. Humaine, humaine.
humain. Les divinités se sont réunies un peu avant le lever du soleil pour décider de l'éventualité de l'intégration d'individus humains dans l'Assemblée Générale des Divinités. Mais bon, à mon avis, elle n'aurait plus grand-chose de divin sur tous ces humains. Merci. Bravo. Je laisse la parole à la divinité du temps pour délivrer le résultat de cette délibération. Mes chers amis, je suis très honoré de prendre la parole. Devant vous. Oui. Quel honneur. Bon, vois ton but, collègue. Oh là là. Pourquoi tout le monde est toujours pressé? On ne pourra pas prendre le temps. Ouais, mais il n'y a que vous qui en ayez autant. Hein. Bon, d'accord. Si tout le monde préfère aller vite, on va faire. Un concours d'élégance. Non mais ça va pas. C'est ça que vous appelez la démocratie? On n'a jamais été très porté sur la chose, hein. Et si on parle mal mais qu'on a des choses à dire? Excusez-moi. C'est que ça que j'aime. Qui sera le premier candidat? Le petit couton. Chère divinité du bonheur, mes semblables et moi, chantons pour vous tous en cœur. Vous êtes telle une fleur, et à chaque cœur, nous sommes spectateurs de votre splendeur. C'est beau. C'est yeah. Supplique au dieu de la guerre, le dromadaire. Toi qui erres comme une âme en fière, ne cherche plus d'amis facochères. Tout ce que tu dis n'est que des trouve plutôt une source isolée dans le désert. Et en histoire dans le sable et la poussière. Et reste pépère. Mais non, mais attendez, par pitié, attendez! Laissez-moi tenter une dernière prouesse! Oh, déesse de la sagesse, il ne faut pas que tu stresses. J'aimerais qu'assise sur tes fesses, tu m'accordes la noblesse. Et que tu me donnes ton numéro, ma déesse, que je t'envoie des SMS. Je n'étais pas désirable. Bon, allez, venez, on va discuter. On va étudier. Installez-vous. On va se mettre au travail. On va mettre au travail. Ah non, une pause s'impose. On vient commencer. C'est le règlement syndicat des divins. Mesdames et messieurs les divinités, prenez garde à ne pas laisser vos gobelets d'ambroisie traîner partout. Je rappelle que des poubelles ont été installées dans tout l'Orlin. Au
soleil, au son, à la tombée de la nuit, à l'entrée très volue, vitalité, je crée ton monde. Le manteau pour chien, je le ramènerai pas trop. Alors, si vous êtes si intelligent, pourquoi vous créez pas un vaccin contre la dépression et la mauvaise humeur? Comme ça, on vaccine les bébés à la naissance, il reste qu'une seule maladie, la joie de vivre. Mais ça ne ferait vous, il n'y a aucune différence. Aucune. Vous êtes une espèce pourrie jusqu'à la moelle. Il n'y a plus qu'à vous anéantir. Ouais. Bravo. Quelle bonne idée. Un monde sans vie. Mais qu'est-ce qu'on ferait, nous? On inventerait tout le monde. Pourquoi pas repartir de zéro? Mais parce que on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne. On y en tirait une deuxième fois. Ah bah quel beau projet d'existence. On casse tout, on recommence, on casse tout, c'est vraiment plein de sens. Je suis d'accord avec les humains. Et vous imaginez un monde complètement nouveau, sans voiture, une terre moins polluée, des bébés en bonne santé à la naissance et puis zéro virus quoi. Et un monde sans argent, le travail ce serait du bénévolat. Exactement, un grand plan de métamorphose totale, le Genèse bis PGB. On se divise en groupe de travail pour étudier cette hypothèse. Vous pouvez conseiller un rendez-vous demain à l'aube pour plancher sur le plan Genèse bis. Bon. Rendez-vous demain, 9h! Bien.
nous sommes réunis ce jour pour écouter le plan Genèse 10 de chacun. Commençons. Premier groupe. Le premier jour, on ferait les courses pour réunir le matériel nécessaire à l'ouvrage. Le deuxième jour, rendez-vous avec les corps des métiers. On n'est pas des bricolos, donc on laisse faire les pots. Troisième jour, on signe les contrats. Le quatrième jour, début des grosses œuvres. Le cinquième jour, on crée les établissements les plus importants. La CAF, Pôle emploi, bien sûr l'APF, yes, LTMP. Le sixième jour, on boit l'apéro avec le chef d'équipe. Madame la présidente, nous demandons la dissolution immédiate de l'Assemblée. La fin du monde mérite un peu de sérieux. Parfaitement d'accord. Deuxième groupe. Ça y est, il fait tout gris. Comment on va pouvoir vivre? Le soleil, c'est l'oxygène, c'est la vie. Mais c'est une catastrophe. Hermès, organisez bataille de mon recrutement. Présidente, on a un problème. Vous voulez m'avoir, Hermès? Ça fait des lustres que nous n'avons pas reçu de candidature pour le poste du soleil. Avec le réchauffement climatique, c'est un emploi très astreignant. Bon, pas de panique. Vous là, vous allez passer l'entretien. Moi? Pourquoi moi? Vous avez une tête potable. Comment vous appelez-vous? Emeraude. Madame Emeraude, vous êtes ici pour le poste de divinité du soleil et de la lumière. C'est un travail très intense qui demande d'être exemplaire et d'une grande splendeur. Je suis persuadée que j'en serai capable. Vous devrez vous lever très tôt. Dans mon ancien travail, je travaillais avec de jeunes militaires sortis du cadre scolaire et il m'a fallu travailler dur pour les mater. Ouais. Tout à fait intéressant.
Qui plus est, je suis une femme dotée d'une grande splendeur. Je brille littéralement. Ouais. Parce qu'on me dit, hein, dit souvent. Oui, je vois cela. On vous ferait de l'affaire. Émeraude. Allez dans l'atelier, Monsieur Paradis. Quoi, j'ai droit à un costume? Évidemment, vous allez me faire la divinité du soleil ainsi. Et aussi, on va être des dieux. Désolé. Tous les postes sont pour... Toutes mes excuses, Présidente. En réalité, il y a deux ou trois petits trous par-ci, par-là. Herbert, prenez le bain bête. On se retrouve après la pause déjeuner. Mesdames, messieurs, la séance est levée. Une divinité des couleurs. Bon, coloriez-vous. Ensuite, une divinité de la mort. Je cherche une divinité de la mort. Vous n'en avez pas déjà une? La divinité de la mort est débordée. Il y a trop de suicides en ce moment chez vous. Il lui faut un assistant. Bah ouais, tu m'étonnes. Pas simple comme boulot. La nana, elle se balade avec une grande hache. Tous les matins, quand tu vas te faire ton café, t'es en panique à l'idée que ta boss, elle te tranche la tête. Ils sont où les chiffres que je t'ai demandé? Elle est pas du tout comme ça. C'est une très gentille fille. Il suffit d'apprendre à la connaître. Bah dans ce cas, j'ai moi-même une certaine expérience en la matière. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai rencontré personnellement la Camarde en 2019. J'ai eu un accident quasi mortel. Je me suis retrouvée dans un champ de blé avec une faucheuse. Vous voyez? J'ai maîtrisé le tillage. Intéressant. Qu'aimeriez-vous tuer? Je commencerai par les enfants pour me mettre en jambes. Ce sont les plus fragiles, les plus faciles. Puis les vieux. Ils ne servent à rien. Ils ne manquent pas grand monde. Et enfin, oh oui, je finirai par les malades de grande durée. C'est mieux pour la sécurité sociale. Ce n'est pas dénué de bon sens. Bon, je vous contacterai. J'espère une réponse positive de votre part. Et rapide. Sinon, je m'occuperai de toi, vilain. Ah, oh, vilain, moi. Ah, mais ma parole, tu me connais. Coquille, allez, retournez à votre place. Alors ensuite... Que c'était bon. Délicieux. Des siècles qu'on n'a pas mangé. Des siècles qu'on n'avait pas vu. C'est bien mangé. Le troisième dessert avait un drôle de parfum, c'était de la fleur de sirocco. Mais pas du tout. C'est un Z de Zénith de toute évidence. Eh, hey, mais nous aussi on a faim. Il vous en reste votre troisième dessert. Quelle espèce comique. Contrairement à vous, nous faisons pas de gaspillage alimentaire. Bah vous auriez pu nous en garder tout de même. Enfin. Mais enfin. Le festin annuel. Le festin annuel. Ça ne se met pas en bidage. Ça se met pas en bidage.
Le festin? Mais c'est pas ce soir? Hermès, vous savez que c'était bon! Je sais parfaitement! J'ai composé le menu moi-même! Bonbon, Hermès! Vous êtes surpassé! Vous êtes surpassé! Mais c'est quoi le festin annuel? Un grand banquet! Divin, divinement bon! La chance! Et vous avez mangé quoi? J'ai faim! Qu'est-ce qui vous prend, Hermès? J'ai faim! Je trime depuis l'aube avec dans le ventre une seule petite brioche aux étoiles filantes! Je vole d'un bout à l'autre de l'Olympe pour votre bon plaisir! Et vous faites le festin annuel sans moi? On a juste cagué un peu en ouvrant le frigo. On va pas en faire tout un plat. Un plat. Si vous saviez combien de temps j'ai passé à composer le menu du festin. Laissez-moi calculer. 2 mois. C'est 2 mois de boulot, votre festin. Non mais le pauvre Hermès. C'est pas très respectueux de son travail, je trouve. 2 mois et pas une miette. Hermès, attendez, je vais vous faire préparer par la cuisine de l'Olympe un petit meski pour ce soir. Pas ce soir, maintenant. Ouais, c'est maintenant qu'on a faim. Pardon? Notre banquet, c'est maintenant. Son mange. Soit on part. Elle va partir, mon débarras. Hermès, restez là, vous n'irez nulle part. Mais si, venez Hermès, on s'en va, c'est n'importe quoi ici, venez. Allez, suivez-moi. Hermès, si vous passez ce portail, vous serez déçu de tous vos titres divins. Hermès. Hermès. Mon agenda. Déchoyez-moi. Mon agenda maintenant. Ça fait longtemps que je suis déçu des grues des mon agenda des... Au revoir. Il Te remercie.
et dernier. Où demain il y avait des mandats d'autres. À la fin du rang du direct. Si tu recommençais à faire le film. Si tu recommençais. Ouais, je suis d'accord. Thank you.